Christa, lito de tento de d'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer et sauver. Parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, amen. Amen. J'ai longtemps et sans vivre à te de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'apportait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu prends de mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, impur, infime, je reçus le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, il ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Amen. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur,
Tu vois mes luttes et ma douleur. Or, ce qui est frappé pour moi, si le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifié, lave Seigneur, et sanctifié mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à tout faire, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Tu sais les chutes. Allons-y, non? Je commence, parce qu'on attend la sœur Bérénice qui a les problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu sais les chutes, oh mon sauveur. Mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifié, lave Seigneur, ô sanctifié, mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappé pour moi, alléluia, gloire à Dieu. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, Jésus, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi.
éclair, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Oh, c'est éclair, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc, c'est qu'il est, Réoïa, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen, amen, amen. Roc, c'est qu'il est, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Je viens, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Oui, sur le roc, c'est qu'il est, qui a été frappé pour moi. J'ai son témoignage, le témoignage de son amour, c'est qu'il a été crucifié, il a été humilié à cause de moi. Amen. Pour moi, je vais prier le roc séculaire qui m'aime. Amen. Quand j'étais encore un pécheur, Jésus est mort pour moi. Amen. À combien plus forte raison que je me suis repenti. C'est là de prier, ma soeur, pour que le Saint-Esprit te donne la nature de Christ, le grand roi. C'est là de prier, mon frère, Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, le roc séculaire. Frappe moi sur le calvaire. Je viens à toi, Jésus-Christ, avec tout mon esprit, toute ma pensée, toute ma force. Je viens à toi sans hypocrisie, de tout mon cœur, mon père, de toute mon être, de toute ma parole, de toutes mes pensées. Roc séculaire, roc éternel, le rocher du siècle, réponds-moi. Je viens à toi, c'est là de prier, c'est là de louer Dieu, c'est là de le glorifier, c'est là d'avoir la victoire dans ton âme. Roc séculaire, la force d'abandonner le monde, la force d'abandonner le péché, la force du péché est vaincue dans le roc séculaire. Ma soeur, prie, mon frère, prie, rends gloire à Dieu, rends gloire au roi de gloire, demande la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, au nom de ton puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de ton puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus est mort pour nous. Le salaire, le prix de ta sainteté, c'est les souffrances atroces de Jésus à la croix. Amen. Le roc séculaire qui a été frappé pour toi, jamais quelqu'un ne va t'aimer comme ça. Amen. Les personnes qui cherchent l'amour dans le monde et qui ne veulent pas recevoir l'amour de Jésus, qui va t'aimer comme Jésus. Amen. Qui va t'aimer comme Jésus. Les personnes qui cherchent l'amour dans le monde, c'est seulement les personnes qui cherchent les plaisirs de la chair. Amen. L'amour véritable est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roc séculaire, frappé pour toi. On a craché sur toi. Toi qui es là, est-ce que tu peux accepter marcher sans te déshabiller dans ton quartier? Tu vas encore habiter dans le quartier là? Amen. Tu ne pourras plus. Voilà. Mais Jésus a accepté qu'on le frappe mieux à cause de tes péchés pour que tu aies la vie éternelle. Qu'on crache lui. Il est descendu. Il a accepté laver tes pieds. Voilà la mort. Amen. Voilà les codes de la mort. Roc séculaire. Frappez pour moi, pas pour lui. Il n'avait pas de péché. C'est pour moi. Amen. Personne ne peut me dire que Jésus ne m'aime pas. Amen. Personne. Jésus m'aime. Amen. Jésus m'aime. Cela de prière. Jésus t'aime. Ma soeur, mon frère, pas devant le roi de gloire. Jésus t'aime. Tu ne manques rien. Tu as quelqu'un qui t'aime pleinement. Amour garanti dans le Seigneur. Amour parfait. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Je le sais. Mon Père, ton Fils, tu m'as montré ton amour. Tu es mort pour moi. Pour que j'aie la vie éternelle. Jésus-Christ, je me tiens sur la mort de Jésus à la croix de Golgotha pour réfuter toute souillure au nom de Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu la vie des péchés, qui a vaincu la rébellion, qui a annulé le sacerdoce de Satan, qui a annulé l'acte des ordonnances, des sorciers, du péché, de la tribulation qui est dans la chair. Jésus, tu as annulé, Seigneur, mon Père, ta puissance, la puissance du péché qui travaille dans la chair. Mon Père, la puissance des autorités de domination, des esprits de l'eau, mon Père, des cimetières, tu as annulé par ta mort le péché, le règne
pas sur moi, ma soeur, frère, mon frère, mais quelle que soit la nation du péché, Jésus a annulé la vie du péché. Par sa mort à la croix, Jésus est véritablement mort pour toi, mort annulé. Mon père, la malédiction a été annulée. Je marche par la foi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, le roi de gloire. J'ai la victoire. La victoire, ma soeur, c'est l'heure de prière. Mon frère, c'est l'heure de prière. Par la grâce de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de foi, les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. Tu vas marcher dans la sainteté. Christ est mort pour toi, pour te racheter. Le sang du péché ne fait plus. Jésus a annulé le péché. Tu vas prier, tu vas jeter. Oui, la parole de Dieu est vraie. Merci Seigneur, à toi sur la gloire, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, il est descendu avec toutes tes tribulations. Amen. Quand Jésus est mort, il a annulé la vie du sang du péché. Amen. La vie, tous les problèmes de péché qui sont dans le sang du péché, Jésus a annulé. Amen. Aucun péché ne tiendra devant toi. Quand tu pries le roi de gloire, le Saint-Esprit dit que Jésus est mort. Il est ressuscité. Amen. L'Esprit de vérité, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Hein? C'est le Saint-Esprit qui a déclaré Jésus mort. Amen. Tu vois, c'est le Saint-Esprit seul qui déclare que quelqu'un est mort. Amen. Et c'est le Saint-Esprit seul qui déclare que quelqu'un est vivant. Amen. Dans l'église aujourd'hui, si le Saint-Esprit dit que tu es mort, c'est que tu es mort. Si le Saint-Esprit dit que tu es vivant, parle, c'est que tu es vivant. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mon frère, tu vas prier. Jésus-Christ est vivant, dont la sainteté est vivante. Amen. Gloire à Dieu, tu vas prier. Rien, aucun pouvoir, aucun démon, aucun sorcier, aucun pharmacien, aucun des officiels, aucun péché, aucune idolâtrie ne va rester en toi, parce que Jésus a crucifié le premier temple du péché. Et il est ressuscité avec un nouveau temple que tu es. Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu es un enfant légitime de Dieu. Tu es dans le sang de la sainteté. Aucune malédiction ne tiendra en toi. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier, tu vas rendre gloire à Dieu parce que la vie de Christ est ta vie. Mon Père tout-puissant, rien n'est impossible à ton église sur la terre parce que tu es la sainteté qui veille, la sainteté qui parle, la sainteté qui agit, la sainteté. Vainqueur, la sainteté qui est assise dans la gloire éternelle, aucune parole méchante, aucune malédiction, mon Père éternel ne peut t'aider dans le sang de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle vie qui a assise au trône de Dieu, notre Père te rend donc là pour la victoire. La malédiction du péché, Seigneur tout-puissant, nous sommes bénis. À toi la gloire, à toi la gloire. Roc séculaire, frappez pour moi, frappez mon Père éternel pour moi. Tu as pris sur toi ma malédiction, Seigneur, le châtiment qui devait revenir sur moi. Tu as pris à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 En toi je me confie et je me vais toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me campe de tout mon cœur. Vers toi, je me rapproche. Jésus-Christ, enseigne-moi ta parole. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. Bon, on va prier, c'est la dernière. Toi, je me décampe. Toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Ô mon Dieu, prends pitié de moi.
Amen, amen, gloire à Dieu. On va passer, tu vas prier du fond de ton cœur, que tu te confies en Dieu, que la parole de Dieu te soit enseignée. Ça ne veut pas dire dans la tête, c'est dans le cœur. Amen. Toutes les choses que le diable a injectées en toi, amen, toutes les choses là que le diable a injectées en toi, amen, gloire à Dieu, ça va tomber. Amen, gloire à Dieu, ça va tomber. Amen. Merci Seigneur, je vais me donner une minute, hein, parce que je dois appeler quelqu'un qui n'a pas la connexion. Excusez-moi, je vais arrêter. La sœur Bérénice, maman Chabani, tu as son numéro en tête, tu peux me donner? Oui, mais tu as dit que tu vas la rappeler. Toi, tu vas l'appeler dans 10 minutes. Oui, mais est-ce que tu as ça en tête? C'est pas moi qui devais l'appeler. Je dis que tu donnes le numéro de Bobby pour qu'elle appelle au numéro de Bobby. Dans 10 minutes? Non, elle n'est pas appelée maintenant, j'ai le téléphone parce que je vais entrer au message. Ah, d'accord, ok. Mais est-ce qu'elle a le numéro de Bobby? Est-ce qu'elle a le numéro de Bobby? Bon, mais qu'elle appelle maintenant Bobby à la maison. Il faut qu'on passe au message. Et puis toi aussi, il ne faut pas que tu sois un peu distrait. On va encore t'attendre. Donne-lui 2 minutes. Appelle-la. Et puis voilà. Je ne sais même pas comment on charge le téléphone. Ça, c'était. Une... Oh mon Dieu, prends pitié de moi, en toi, je me reconfie, toi, de toi, je me rapproche, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, la pitié de moi. Oui, la sœur Bérénice. Elle est en train de prendre le passage. J'ai même fait une erreur parce que moi, je vais te appeler. La sœur Bérénice. C'est ma parole. Tu me as chassé la voix pour le défaut. Toi qui es en train de se faire. Oui, la sœur Bérénice, allô? Ce matin, Jésus m'a rien. Il n'y a pas de problème, papa, qu'on était. Ok, il faut simplement que. Je peux t'accontrer mon âme et de mon esprit. Frère Thierry. En fait, Seigneur Jésus-Christ, t'obstacle à ta parole en moi maintenant. Sois vaincu et sois chassé au nom de Jésus. Béni sois-tu. Allô, frère Thierry? Oui, tu m'écoutes? La sœur Bérénice, je crois qu'elle a perdu la connexion. Ce que tu vas faire... Oui, allô, tu m'écoutes? Je crois qu'elle a perdu la connexion, ou bien elle est sur l'autre ligne. Je ne sais pas, ou bien il faut que tu raccroches, et puis elle va t'appeler encore, hein, je crois, hein. Oh, tu es branché avec moi. Ok, d'accord, reste alors, parce que moi, je l'attends, elle n'est pas... La sœur Bérénice, tu es revenue? Oui. Ok, maman, tu as pas le numéro? Oui. Ok. Ok, mais... Je m'en appelle, attends. Moi, ça va nous faire ça, mais c'est parce que dans mon téléphone, je pense que quand une personne s'appelle, ça peut aller. Hein. Mais c'est pas c'est elle qui appelle là. Je ne sais même pas comment le téléphone la marche. Hein. À ça, allô, allô. Oui, oui, allô, bonjour. Le volume, là. Amen. Ok, amen. Gloire à Dieu, amen. On va reprendre les gens là à l'ordinateur. Amen. On va continuer. Amen. 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 Ok, donc on a déjà chanté. On va chanter. On va
Demandons au Seigneur que la parole de Dieu s'implante dans notre cœur. On a déjà parlé dans le cœur des personnes, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Le diable a déjà mis les barrières pour que la parole de Dieu n'entre pas. Donc, tu vas demander en toute sincérité au Dieu Tout-Puissant de te parler maintenant. C'est l'heure de parler à Dieu, de te connecter toi de toute pensée. Les gens qui ont l'esprit de monotonie, dis à la monotonie que je ne suis pas avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu, je suis régénéré, renouvelé. Il y a les personnes qui étaient dans la foi depuis 40 ans. Ils servent toujours Dieu. Comment se fait-il que moi, je n'ai même pas un an, mais je suis dans la monotonie. Amen. Donc, c'est l'heure de prière. Demande à Dieu la grâce. Amen. Père du Puissant, le mystère de Dieu, te demandons la grâce que ta parole, ô Père éternel, soit scellée à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, à notre pensée. Gloire à toi. Prends contrôle, Seigneur Jésus, que la gloire. Que la gloire, que la nation, Père éternel, revienne à toi, toi qui parles du ciel. Amen. Gloire à Dieu, Jésus-Christ a vaincu Satan. À toi la gloire, au nom tout puissant. Merci Seigneur, tout puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a parlé ces derniers temps de la vie du vigneron qui a une vigne. Voilà, le Père, le Tout-Puissant, est le maître de la vigne. Amen. Et puis Jésus-Christ est le vigneron et il est venu visiter la vigne. Il a remarqué qu'il y avait un figuier qui n'avait pas la vie de Dieu. Amen. Un figuier qui n'avait pas, qui ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler. Amen. Allô? Allô, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on parlait du vigneron. On parlait de la vie du vigneron. Amen. On parlait de la famille du vigneron. La famille du vigneron. On a parlé de l'intercession du vigneron hier. On a parlé du figuier qui avait perdu son temps sur la terre. Amen. Parce que on a donné 3 ans. Les 3 années là peuvent représenter toute ta vie. J'avais expliqué que les 3 années là, ça peut être le temps que le Seigneur a donné à l'église sur la terre pour porter des fruits. Amen. Donc, il n'a pas bien utilisé son temps pour porter les fruits. Donc le figuier là était maudit, il était prêt de la malédiction, prêt à être coupé parce qu'il n'a pas bien exploité son temps. Amen. J'avais expliqué que le temps du chrétien est très précieux. Amen. Notre temps ne nous appartient pas. J'avais expliqué que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, Dieu leur a dit d'utiliser le temps. Amen. Pour son honneur et pour sa gloire. Le temps ne nous appartient pas. Amen. Le temps appartient à Dieu. J'avais expliqué que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, le mois si pour vous sera le premier des mois. Amen. Ça veut dire que c'est moi qui fixe votre calendrier. Ce n'est plus vous-même qui fixez votre calendrier. Amen. Ça veut dire que avant vous étiez dans la vie des Égyptiens et dans la vie du sang des Égyptiens. Quand vous aviez la vie du sang du prince du monde, vous viviez dans son calendrier. Amen. Le calendrier, que c'est lui qui vous programmait. C'est lui qui arrangeait vos vies. Vous mouriez quand il voulait. Amen. Quand il voulait vous tuer, il vous tuait. Quand il voulait vous rendre esclave, il vous rendait esclave. C'est lui qui vous commandait. Quand il voulait que vous alliez écouter la musique du monde, vous partez. Parce que vous n'aviez pas de force en vous pour le résister. Et il le faisait en toute justice parce que la vie que vous aviez en Égypte, c'était la vie de Pharaon. Amen. C'était la vie du sang du pays de l'Égypte. C'est pour ça que le péché dominait sur vous et le prince du monde commandait le temps de votre vie. Amen. Parce que la vie que vous aviez avant, c'était sa vie à lui. Et le temps de votre vie est tiré de la vie que vous aviez avant. Amen. Donc, le diable vous commandait avec le péché. Quand il veut que tu aies fait, quand il veut que tu aies travaillé pour la gloire du monde, tu vas partir. Quand il veut que tu prennes ta voiture pour aller courtiser une fille en boîte de nuit, tu vas partir. Quand il veut que tu aies mangé au restaurant pour avoir le gros ventre, tu vas partir. Quand il veut que tu aies regardé la télévision, tu vas seulement partir. Voilà le temps de ta vie qu'il utilise. Amen. C'est lui qui te conduit parce qu'il a le temps de ta vie. Mais quand le Seigneur vient te sauver de la vie du diable, il tue le temps de la vie.
vie du diable que tu avais. Amen. Donc, le premier temps qu'on avait pour vivre pour nous-mêmes. Amen. Pour faire les choses pour nous-mêmes et pour gagner notre vie dans ce monde-là. On n'a plus le temps là parce que Jésus a crucifié ça à la croix à Golgotha. Amen. Et maintenant, amen. Il est ressuscité avec une nouvelle vie qui est dans son sang. Et maintenant, nous avons la vie qui est dans son sang. Donc, c'est le temps de Jésus que nous avons. Amen. Parce que nous avons sa vie. Donc, sa vie a un temps. Et c'est dans le temps de Jésus que nous vivons. Amen. Vous voyez? Donc, on n'a pas un temps à l'extérieur du temps de la vie de Jésus. Donc, on est dans le sang de Jésus. Donc, c'est Jésus qui a notre calendrier et notre programme. Jésus connaît quand je vais mourir. Amen. Quand il va m'appeler dans la gloire, c'est lui qui me programme maintenant. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort. Amen. Tu es maintenant sous la loi de l'esprit de grâce, sous l'esprit de victoire. Donc vous voyez le figuier que Dieu le Père était sur le point de couper. Le figuier là devait être coupé parce qu'il n'avait pas utilisé le temps que Dieu lui a donné. Amen. Il n'était pas dans le temps sanctifié de Dieu. Amen. Vous voyez, le vrai chrétien doit utiliser toute sa vie pour sanctifier Dieu dans son temps. Le temps que Dieu t'a donné est précieux. Vous voyez, on ne donne plus à Dieu simplement les prémices de notre temps, mais toute notre vie, comme le Saint-Esprit nous a enseigné hier, avant-hier aussi, que notre âme, notre esprit, notre corps appartiennent à Dieu. Amen. Donc, le souffle de vie même que nous avons, voilà notre révélation, appartient à Dieu. Amen. Le souffle de vie appartient à Dieu. Donc, toutes choses qu'on est, qu'on a, appartient à Dieu. Amen. Donc, tout le temps là, on doit porter des fruits pour Dieu. Notre pensée appartient à Dieu. La Bible dit qu'on a la pensée de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit aussi que vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Amen. Vous voyez, donc il n'y a pas d'espace pour le diable, parce qu'on est dans la vie de Jésus. Amen. On est dans le temps de Jésus. Donc le temps, si c'est le temps de Jésus, ce n'est pas notre temps. Amen. Le l'heure, si c'est l'heure de la gloire de Jésus. Amen. Donc le Seigneur nous a fait une grâce pour nous donner un autre temps extra, par l'intercession du vigneron. Amen. Donc, quand l'intercession du vigneron, maintenant, pour la vie du figuier, on va rentrer là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Dans le figuier qu'on a lu dans le livre de Luc 13. Amen. Dans le livre de Luc 13, on a parlé de la vie du figuier qui allait être interrompue parce qu'il agissait dans le temps du diable. Amen. Vous voyez, maintenant le Seigneur intercède pour que le Père Tout-Puissant, qui est le maître de la vigne, le propriétaire de la vigne, lui donne encore un peu de temps au figuier. Maintenant, le temps que le figuier s'y va avoir, c'est le temps de Jésus. Amen. Ce n'est plus le temps du monde, ce n'est plus le temps de la rébellion, c'est le temps du sang qui appartient à la famille de Jésus. Amen. Tandis qu'à d'autres figuiers qui sont en accord avec la volonté du Père Tout-Puissant et qui portent des fruits sur la terre pour agrandir la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc la famille de Dieu a un sang. Amen. Et a un temps. Donc le temps que l'Église a sur la terre, c'est le temps de Dieu. Amen. Donc tout le temps là doit être utilisé pour faire la volonté de Dieu. Le temps même que tu penses, le temps même que tu désires. Amen. Vous voyez, tout ça, ça doit être consacré à Dieu. C'est pour ça que les chrétiens qui sont encore dans les activités du monde, et les football, les télé, tout ça là, c'est eux qui connaissent leur salut. Amen. Je ne connais pas le genre de salut là. C'est eux qui connaissent le salut là. Où on prend le temps pour regarder la télé et on est toujours à l'école primaire. Après 30 ans, on est toujours à l'école primaire. Ça, c'est les Jésus qui ne peuvent pas sauver et qui ne peuvent pas intercéder et qui n'ont pas travaillé pour nous. Amen. Nous, on parle de Jésus qui nous a donné sa vie. Amen. Donc, on a la vie de Jésus. Donc, tout notre temps lui appartient. On veut que la sémence du sang vivant qui a été mise en eau germe et que la vie là gagne la première place. Amen. En eau. Et enfin, toute notre vie sera consacrée à Dieu. Donc, le temps que le vigneron demande à Dieu, c'est un temps pour que le figuier rejoigne la famille de Dieu. Amen. La famille de Dieu, l'assemblée des premiers-nés, les enfants qui sont sanctifiés, les enfants qui sont purifiés, les gens qui connaissent la gloire éternelle et qui vivent pour Jésus. Amen. Qui vivent par Jésus et qui vivent en Jésus. Qui n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes. Amen. Vous voyez, pour que tu penses à toi, mais il faut que tu prennes ça du temps de la vie que Dieu t'a donné. Amen. Mais maintenant, le temps de la vie que Dieu t'a donné ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, tu dois seulement penser à Dieu. Amen. C'est profond, hein. Amen. C'est très profond, hein. C'est très profond ce que je dis, hein. C'est très profond, hein, de penser seulement à Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es là-bas? Donc tu vois que tu n'auras même pas le temps d'aller te distraire avec la télévision. Amen. On parle de la consécration pour porter des fruits. Les gens qui partent regarder la télévision, je ne sais pas pourquoi je parle de beaucoup de télévision aujourd'hui. La télévision prend beaucoup de temps dans la vie des chrétiens. Amen. Et quand tu regardes la télévision là, ça entre dans ta pensée et tu commences à penser comme le monde, dont le diable te donne sa pensée à travers la télévision. Amen. Et les images là reviennent dans ta tête, et c'est avec ça que tu dors, et tu te lèves avec, tu vas commencer à dire que tu as déjà écouté la parole de Dieu maintenant, tout ça, alors que tu n'as jamais rien écouté. Amen. La parole de Dieu n'est jamais entrée dans ton cœur. Amen. Tous les jours, tu manges la nourriture. Est-ce que tu dis que tu as déjà mangé la nourriture? Amen. Non. Tous les jours, tu as faim. Amen. Chaque jour, il faut que tu ailles manger. Mais parce que spirituellement, tu es mort, la nourriture de Dieu ne te dit plus rien. Amen. La nourriture de Dieu, tu trouves que ça n'a pas de valeur, tu as déjà entendu, parce que tu n'as pas faim. Amen. Quelqu'un qui n'a pas faim va toujours rejeter la nourriture de Dieu. Vous voyez, donc le Seigneur a une nourriture que seulement les gens de sa famille peuvent manger. Amen. Okay, amen. Si tu n'es pas de la famille de Dieu, quand il prépare, tu ne peux pas manger la nourriture-là. Amen. Il y a une nourriture qui est du ciel, dont ceux qui sont du ciel vont manger la nourriture-là. Et le diable combat l'église et les frères pour que les frères et les sœurs ne mangent pas la nourriture-là. On va jeter un coup d'œil, on va voir comment il combat. Amen. Pour que les gens ne mangent pas la nourriture. Jésus a dit que je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra jamais. Et si quelqu'un boit mon sang, amen, il aura en lui la vie éternelle. Dont le sang dont Jésus parle, c'est le sang de la famille des enfants de Dieu. Amen. Et ne peuvent manger le pain de Dieu que ceux qui sont dans le sang de la famille de Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne. Donc le sang de la famille de Dieu a un pain. C'est le pain que le corps de Christ que nous on mange. Amen. On a toujours faim tous les jours. On a faim de cette parole. On a soif du sang de Jésus. Amen. Pour boire. Donc on est des enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Les figuiers, c'est l'image de l'église qui fait partie de l'assemblée des premiers-nés qui est assis dans le ciel. Amen. On va jeter un coup d'œil en profondeur dans la parole de Dieu. On va voir que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire partie de la famille de Dieu parce qu'ils ne sont incapables d'écouter la parole de Dieu. Amen. Ils sont incapables de manger la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le figuier a été maudit. Amen. Le figuier était sur le point d'être maudit parce qu'il était mal nourri. Amen. Il n'est pas dans le sang de l'alliance, donc il ne peut pas porter des fruits pour Dieu. Amen. Pour porter des fruits pour Dieu, il faut absolument que tu sois dans le sang de la grâce. Il faut absolument que le Seigneur te connaisse. Il faut absolument que tu participes. Amen. Au sang de l'alliance éternelle. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ va te rejeter. Amen. Donc tu dois être dans l'alliance éternelle. Merci Seigneur. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Allons rapidement d'abord. Vous allez voir comment le diable combat la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Rapidement. Dans le livre allons rapidement au livre de Matthieu 10. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus. Ok, allons au livre de Luc 10 d'abord voir. Allons au livre de Luc 10, je vais voir si c'est le verset. Allons au livre de Luc 10, hein, le verset 34. Allons rapidement. Dans le livre de Luc 10, le verset 34, on va aller rapidement et jeter un coup d'œil là-bas. Amen. Amen. Dans le livre de Luc 10, allons-y, le verset 38 à 42. Luc 10, le verset 38 à 42. Je suis en train de donner une seconde. Je suis un peu mêlé là. 38 à 42, je ne vois pas bien. Amen. Là, Luc 10, verset 38 à 42. La Bible dit, comme Jésus était en chemin, amen, avec les disciples, il entrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Amen. Voilà, et elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et écoutait la parole. Amen. Elle était assise auprès du Seigneur et elle écoutait la parole. Vous voyez, voilà les personnes qui font partie de la famille de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui écoutent la parole. Vous voyez, il y a deux types de famille. Il y a deux types de sang. Quand tu es dans le sang du monde, toi, tu vas seulement connaître la nourriture de la chair et tu ne vas pas gêner. Amen. Tu vois,
tu ne pourras pas jeûner pour crucifier la chair afin que la parole de Dieu entre dans ton cœur et que tu portes les fruits par la puissance du vigneron. Amen. Tu ne pourras pas jeûner. Alors que celui qui est dans le sang du vigneron, amen, va maintenant jeûner et il va manger la nourriture du ciel. Amen. La nourriture qui appartient au sang du ciel. Donc vous voyez que quand on marie ici là, elle est assise aux pieds du Seigneur. Elle ne s'ennuyait pas pour beaucoup de choses. Amen. Une de ces choses était nécessaire, c'était la parole. Amen. La parole est nécessaire. Amen. Plus que toute chose. La parole est plus nécessaire que toute chose que tu peux t'imaginer. La parole est plus nécessaire que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton travail, tes enfants. La parole est plus nécessaire que toi. Plus que l'activité que tu fais pour Jésus. Amen. La parole est plus nécessaire que les choses que tu dis que je fais ça au nom du Seigneur. Non. La parole de Dieu, quand tu la méprises, tu vas être coupé. Amen. De la vie. Tu vas mourir, tu vas sécher, tu vas tarder. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si tu n'as pas la parole qui est Jésus-Christ, tu es fainé. Tu vas adorer maman, tu vas adorer l'antéchrist. Donc regardez, Marie était assise auprès du Seigneur, elle écoutait la parole, alors que Marthe occupait à divers soins domestiques. Amen. Soins domestiques, je lave la maison, je balaye. Laissez-moi vous dire, les soins domestiques aussi, c'est l'activité de l'église. Amen. Balayer les bancs de l'église, aller mettre les fleurs à l'église, aller coudre les habits pour l'autel de l'église, ça ne va pas t'amener au ciel. Amen. C'est l'activité que tout le monde peut faire. Les soins domestiques sont aussi l'activité religieuse de chanter à la chorale, de prier, de prêcher et d'évangéliser, de prophétiser, alors que tu n'as pas la parole, la sainteté de la parole dans ton cœur. C'est les soins domestiques. Amen. Amen. La Bible dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Non. Amen. Jésus va lui dire que le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Vous voyez? Amen. Amen. Pour beaucoup de choses. Amen. Fais un examen personnel pourquoi tu t'agites. Il faut simplement que tu t'agites pour mettre la parole de Dieu en pratique et pour l'écouter. Amen. Tu vas voir, tu t'agites, tu n'es pas tes choses, tu t'agites, il me faut, tu montes, tu descends. On parle ici, Marthe s'agitait même pour, parce qu'elle préparait pour Jésus. Même ça, Jésus a condamné. Amen. Amen. Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui s'agite pour lui-même. Vous voyez, à combien de fautes raisons serais-tu condamné? Je n'écoute pas la parole de Dieu. La parole qu'on prêche ici, est-ce que tu as le temps d'écouter? Tu n'as pas le temps. Tu auras le temps d'aller prêcher à quelqu'un. Tu auras le temps d'aller évangéliser quelqu'un. Alors que toi-même, tu n'as pas la parole dans ton cœur. Tu auras le temps d'écouter la télé. Tu auras le temps de converser avec ta famille au téléphone. Mais tu n'auras pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu vois? Tu n'as pas le temps. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la même parole. Hein? La Bible dit que le Seigneur dit, répondit à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Amen. Jésus est en train de dire à Marthe que tu peux préparer pour moi et je t'envoie en enfer. Amen. Amen. Tu peux chanter pour moi, je t'envoie en enfer. Tu peux faire autre chose, je t'envoie si tu n'as pas la sainteté. Tu peux prophétiser pour moi, comme la Bible dit dans Matthieu 7. Je t'envoie en enfer à la fin de tes jours. Je ne t'ai jamais connu. Ce qui importe pour moi, c'est la sainteté que la parole donne. La Bible dit que vous êtes tous purs à cause de la parole. Amen. Que vous avez écouté. Amen. La parole purifiée. Donc tu peux faire, tu peux être mon ami dans la chair. Si Jésus dit que tu peux être son ami dans la chair, il t'envoie en enfer. À plus forte raison, ceux qui ne veulent pas se repentir et qui veulent être l'ami du pasteur. Amen. Tu es l'ami du pasteur. C'est Jésus lui-même, tu es son ami dans la chair, il t'envoie dans le feu éternel. Il dit que ce n'est pas moi qui vais te juger, c'est la parole. Amen. Donc le vrai chrétien connaît l'importance de la parole. Regardez comment le diable a combattu la parole de Dieu dans la vie de Marthe. Amen. Avec l'activité, avec les inquiétudes. Vous voyez, Jésus va lui dire que tu t'inquiètes. Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Amen. Qu'est-ce que tu as dans ton âme qui t'agite, qui te manipule, et qu'après la parole, tu veux seulement faire des choses inutiles, l'activité, l'activisme, au nom de Jésus, ça ne compte pas. Amen. Médite la parole dans ton cœur, dans ton âme. Sinon, tu ne vas pas porter les fruits, parce que c'est la parole qui porte les fruits. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur est catégorique.
il faut qu'on comprenne l'importance de la parole et qu'on médite la parole et la méditation de la parole. On a déjà enseigné qu'il faut beaucoup jeûner. Amen. Il faut beaucoup jeûner pour que la parole de Dieu ait l'efficacité en toi. Si tu ne jeûnes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas voir sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aller au niveau de Marc 4. J'ai vraiment un problème des yeux aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Marc 4, le verset... Amen. Marc 4, Amen. Le verset 11 à 20, je crois. Marc 4, le verset 11 à 20. Amen. Gloire à Dieu. On va lire rapidement. Marc 4, le verset 11 à 20. La Bible dit ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il leur a... Je vous ai expliqué que la parole de Dieu, c'est la nourriture de la famille de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture de la famille de Jésus. Donc, quand tu vois quelqu'un qui méprise la parole, c'est parce qu'il n'est pas de la famille de Jésus. Amen. Il est d'une autre famille, donc il ne peut pas manger la parole de Dieu. Je reconnais les vrais serviteurs de Dieu par la parole. Amen. La soif de la parole. Tu vas reconnaître une vraie église quand le temps de la parole arrive. Amen. C'est là où tu vas connaître est-ce que Jésus est dans l'église ou bien il n'est pas. Amen. Et les gens ne vivent pas la vie de la parole. C'est la parole qui a fait le ciel et la terre. Donc quand un chrétien n'a pas la parole, il ne peut pas vaincre Satan. Amen. Le diable dit souvent à ses serviteurs empêcher les chrétiens de jeûner parce que s'ils jeûnent, ils auront la vie de la parole et le Saint-Esprit va leur révéler nos pièges. Amen. Vous voyez? Et il va révéler les pièges au travers du ministère de la parole. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, quand tu n'as pas la parole de Dieu, la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. Les chrétiens ne sont pas forts aujourd'hui parce qu'ils ne mangent pas la parole. Amen. Et tu ne peux pas manger la parole de Dieu alors que tu es dans le sang qui est contre la famille de Jésus. Amen. Vous voyez, les chrétiens mangent beaucoup les choses du monde et ça les rend faibles. Parce que tu es dans le sang de l'égoïsme, tu vas manger quand le diable te dit que va chercher le travail pour payer le loyer, tu vas manger sa vie. Hein? Quand le diable te dit qu'il y a tel travail là-bas, tu peux avoir deux boulots pour avoir l'argent, acheter une voiture, tu vas manger. What? Quand le diable te dit que tu peux aller regarder la télé et puis maintenant ça va te distraire un peu et voilà, tu vas accepter. What? Voilà la nourriture du diable que tu manges. Amen. C'est sa parole que tu es en train de manger. Après tu faiblis, tu ne peux pas décider. Quand le diable te dit que fais le maquillage et le pantalon, tu vas être belle à l'extérieur, tu manges. Ouf. Voilà, et voilà la nourriture du diable parce que tu es dans le mauvais sang. Amen. Quand le diable te dit que ne paye pas les dettes que tu as contractées, paye ça demain, tu manges. What? C'est bon. Quand le diable te dit que ne fais pas telle chose qui va plaire à Dieu, tu ne vas pas faire, tu manges. Whoop. Donc tu es dans le sang du péché. Amen. Tu es dans le sang du péché. Voilà, il y a les personnes qui étaient en enfer parce qu'elles n'ont pas payé leurs dettes. Amen. Je le dis à tout le monde. Moi-même, j'ai des dettes que je n'ai pas encore payées. Je demande la grâce à Dieu de finir de payer mes dettes que j'ai contractées dans le monde. Amen. Il faut dire la vérité. Être chrétien, tu vas aller au ciel. Amen. Amen. L'évangile, ce n'est pas la condamnation pour montrer que tu es... Moi-même, j'ai des dettes que j'ai contractées dans le monde et que je paye, et que je vais encore payer. Amen. Gloire à Dieu. Il faut avoir la volonté de payer tes dettes. Jésus-Christ n'a pas d'amis dans la chair. Et si tu te soumets à Dieu, Jésus-Christ qui a payé les dettes, tes dettes spirituelles, il va aussi payer tes dettes physiques. Amen. Entre les dettes physiques et les dettes spirituelles, qu'est-ce qui est plus grand? N'est-ce pas les dettes spirituelles? S'il a payé ta dette spirituelle par sa mort à la croix, ne va-t-il pas payer ta dette physique? Amen. Sois sincère. Amen. Viens à Dieu avec honnêteté pour aller au ciel. Crains Dieu. Ne discute pas la parole. Amen. Il y a les chrétiens, quand le diable les parle, ils sont soumis. Amen. Mais quand c'est Dieu qui commence à leur parler, ils commencent à se rebeller. Amen. Ça, c'est le levain. Le Seigneur n'a pas de levain dans son sang. Amen. Le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui peut recevoir la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, on va dans le livre de Marc 4, le verset 11. La Bible dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Amen. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Vous voyez? Donc, c'est à toi qui es enfant de Dieu, qui est dans le sang de Jésus, qu'a été donné le mystère. Amen. De la parole de Dieu. Vous allez voir les chrétiens qui sont là, quand le pasteur, il voit la grâce de Dieu et la parole de Dieu qui est difficile, ils vont quitter pour aller demander à un mondain l'explication des versets bibliques. Il ne connaît rien de ça.
Amen. Il n'a pas le ministère de la parole. Il est dans le sang du monde. Amen. Il vient à la parole de Dieu avec son esprit de corruption et de convoitise et de gain. Amen. Il ne peut rien comprendre dans la parole de Dieu. Le mystère de la parole ne lui ont pas été donné. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas dans le sang de Jésus-Christ. Il n'est pas de la famille de Dieu. Il ne peut pas manger le pain que la famille de Dieu mange. La famille de Dieu au ciel mange le pain vivant. C'est Jésus-Christ. Amen. Les anges, eux, mangent le même pain. Le pain là, c'est ça que les anges mangent. Amen. C'est le même pain que Jésus a mangé après son jeûne au désert. C'est la parole de Dieu. C'est le même pain qu'Élie a mangé pendant le jeûne. C'est le même pain que Moïse a mangé. Amen. Pendant 40 jours à la montagne. C'est le même pain. Et il est descendu avec ça pour donner aux enfants d'Israël. Mais il n'était pas digne parce qu'ils étaient dans le sang du péché. Amen. Amen. Quand il est descendu avec les tablettes là pour qu'ils mangent, pour qu'ils donnent aux enfants d'Israël pour qu'ils vivent, parce que le vrai pain, c'est le pain vivant qui descend du ciel, qui donne la vie aux hommes. Amen. Et la vie là, Amen. C'est la vie éternelle. Alors que le diable te donne la vie temporaire dans la chair, ce n'est pas le vrai pain. Amen. Le vrai pain, Amen. C'est celui qui va te donner la vie éternelle. En mangeant, tu ne vas pas mourir. Et donc, quand la parole de Dieu, qui est le pain qui va te donner la vie éternelle, vient, et si tu n'es pas dans le sang de Jésus-Christ, tu ne vas pas recevoir. Hein, ça va être voilé pour toi. Et tu m'as dit que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Tu m'as quitté Jésus, comme les apôtres l'ont quitté, comme beaucoup de gens l'ont abandonné. Amen. Et Pierre a dit que moi, et Jésus a demandé aux disciples, vous ne voulez pas aussi m'abandonner? Et puis Pierre a dit que on ne peut pas t'abandonner parce que tu as quoi? Les paroles, amen, de la vie éternelle. Donc tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, quel est le respect que tu as pour la parole de Dieu? Amen. Quel respect Amen. Que tu as pour la parole. Quel est l'amour? Je ne parle même pas du respect, mais de l'amour. Marthe n'avait même pas l'amour pour la parole. Amen. Il y a les gens qui Amen. Aiment simplement l'apparence des églises, mais ils n'aiment pas la parole. L'église où tu choisis pour aller persévérer, est-ce qu'il y a la parole? Est-ce qu'il y a le pain vivant? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a la régénération dans la parole que tu écoutes? Ou bien on masse ton ego de pécheur pour te mentir que tu es sauvé et on prend ton argent de 10 000 pour aller demain te retrouver en enfer. Quand tu parles dans une église et que tu n'es pas capable de dire que la parole s'y est dit, ça veut dire que tu n'as pas entendu l'évangile. Amen. Amen. La parole de Jésus était Dieu. La Bible dit que la parole s'y est dit. Qui peut l'écouter? Jésus même écouter. Il ne disait même pas mettre en pratique. Je dis seulement écouter. Amen. Jésus dit que si tu regardes derrière, tu vas en enfer dans le feu éternel. Amen. Il dit que tu regardes Amen. Derrière, tu rétrogrades. Ça veut dire que tu rentres faire les choses que tu avais abandonnées, que tu n'étais même pas péché pour avant. Il dit que ça là, tu fais ça, tu es parti dans le feu éternel. Il dit que tu regardes une femme pour la convoiter seulement, tu es déjà parti. Amen. Alors, Amen. Tu vas avoir la sainteté là-haut si tu ne médites Amen. Pas la parole. Je et nué. Amen. La parole. Amen. Les chrétiens mangent beaucoup la nourriture du diable. Tu vois, quand tu manges la nourriture du monde, tu vas facilement obéir aux pensées du diable. Amen. Amen. Mange beaucoup. Il y a les chrétiens qui mangent beaucoup. Dans la Bible dit au verset, je reviens, dans Marc 4, le verset 12, Jésus dit, afin que, voilà, au verset 11, je commence au verset 11, Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Amen. Amen. Sans dehors, tu n'es pas de la famille de Dieu. Donc le figuier était sur le point d'être jeté dehors et il ne pouvait plus écouter la parole. Amen. Pourquoi il n'a pas la vie qui est dans le sang de Jésus? Il ne fait plus partie de la famille de Dieu. Or, le Seigneur te jette dehors, c'est terminé. La Bible dit ceci, afin qu'en voyant, il le voit et n'aperçoive point. Amen. Vous voyez, il y a les personnes qui écoutent, mais n'ont rien écouté. Ouais. C'est en écoutant du cœur qu'on parvient à la repentance. Amen. Et qu'on est transformé. Dans les personnes qui sont à l'église, comme les figuiers, le figuier qui était sur le point d'être coupé, la parole n'entre jamais dans leur cœur. Amen. Il y a les personnes, je vous ai bien expliqué, c'est comme le caillou qui est dans l'eau. Vous voyez, il y a les cailloux qui sont dans l'eau, tu vas mettre le caillou là 100 ans. Tu viens, tu enlèves le caillou, tu caches, tu vois que l'eau n'est pas entrée dans le caillou. Amen. Alors qu'il est dans l'eau, l'eau n'est pas entrée. Et quelqu'un d'autre va venir dehors, il commence à boire l'eau, l'eau entre en lui. Amen. Alors que l'autre était dans l'eau, mais l'eau n'est pas entrée dans son cœur. C'est pour ça que vous voyez, il ne se répand jamais. Je vous répète encore, les personnes là ne se répandent véritablement jamais. Quand tu vas revenir 10 ans, ça sera les mêmes choses, les mêmes pantalons, les mêmes maquillages. Ça sera... Les oreilles sont bouchées. Amen. Les oreilles de leur cœur sont bouchées. Ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas entrés dans la porte. Ils sont les gens du dehors. Vous voyez, ils ne sont pas les gens du dedans. Amen. Donc, vous voyez, Marthe ici là, qui est en train de travailler, était déjà une femme du dehors. Amen. Elle n'était plus de la maison. Elle n'était plus de la famille de Dieu.
la famille de Dieu, être dans la maison de Dieu, c'est d'avoir le sang de Jésus. Amen. Et d'avoir la parole de Dieu, qui est la chair qu'on mange. Amen. Voilà ce qu'on appelle la vraie communion. La vraie communion, c'est la parole qui entre dans ton cœur, qui te transforme. Amen. Ce n'est pas simplement le pain que tu manges, on fait un petit pain, on te donne, et puis tu rentres dans ton... On avait ça dans les catholiques, on n'était pas transformés. On a pris les communions fatiguées chez les catholiques, on n'était pas transformés, on n'était pas régénérés. Amen. Amen. On parle de la parole vivante. Oui. Donc ce n'est pas l'activité, c'est la vraie parole qui vit. Amen. Voilà, et qui transforme, qui change. La Bible dit que, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Amen. Vous voyez donc, ils comprennent point. Ils seront seulement là, de peur qu'ils ne se convertissent, eux, et que leur péché ne leur soit pardonné. Tu vois, celui qui comprend vraiment va se convertir. Voilà comment tu connais quelqu'un qui comprend la parole de Dieu. Quand tu vas venir chez lui, quand tu me vois un vrai chrétien, amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu qui va être enlevé. Quand tu arrives à sa maison, c'est la parole de Dieu que tu vas écouter dans la radio. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Un vrai, je dis un vrai enfant de Dieu. Un figuier florissant. Amen. Quand tu arrives chez lui, c'est la parole de Dieu. Amen. Que tu entends parler. Amen. Les anges sont contents. Tu vois, les anges dans la maison, là, ils sont contents. Ils sont en train de lui rendre ministère. Lui-même, il ne connaît pas. Amen. Vous voyez, les anges sont là, ils sont à l'aise. Ils disent que voici notre famille. Amen. Notre famille est pareille. La famille qui est au ciel. Et voici la famille qui est sur la terre. Ils mangent le même pain que nous-mêmes, on mange. Amen. Ils vivent de la parole de Dieu. Ils ont le témoignage de Jésus. Voilà les maisons et la grâce de Dieu. Amen. Et la louange qu'on écoute dans la maison, là, ce n'est pas les louanges qui ressemblent aux musiques du monde. Amen. Il y a les louanges qui ressemblent aux musiques du monde. Donc, comme le makossa, on met le makossa et puis on met seulement quelques paroles de Jésus. Ça, c'est la musique des démons. Ça vient de l'eau. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui fait ça pour mentir aux chrétiens qui vivent dans le péché. Donc, tu vas voir les chrétiens là chanter la louange là. Après, ils partent encore mettre la télévision. Après ça, ils vont discuter, se chamailler, se battre. Ça, c'est les faux Jésus. La vraie louange, quand tu écoutes la louange là, ça t'appelle à la repentance. Amen. Ça t'appelle à Dieu. Ça t'attire à Dieu. Ce n'est pas un truc que tu veux danser dans la chair. Ça, c'est les sensations de la chair qui viennent du diable et le cœur est stérile. Amen. C'est le cœur qui doit danser parce que tu es sanctifié devant Dieu. Amen. C'est le cœur que Dieu regarde. Et la musique du monde, là, qu'on met, tu vas regarder un païen qui était en boîte dimanche, le samedi, quand il vient à l'église dimanche, on commence à chanter la louange, lui aussi il danse. Il danse quoi? C'est le rythme de la musique du monde. Amen. Ça, ce ne sont pas les louanges. Les personnes qui écoutent les louanges comme ça, tu remarques, tu finis de chanter la louange, mais tu es encore en train d'aimer le monde. Amen. La vraie louange va te donner la haine du monde. Amen. La vraie louange va apporter, va attirer la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu vers toi. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu chantes la louange là, tu es transformé, tu es régénéré. Regardez les chants qu'on chante ici là, les cantiques qu'on chante. Après ça, souvent quand on chante seulement, je me sens déjà purifié. Je sens déjà comment l'Esprit de Dieu commence à travailler en moi. Amen. C'est la parole, c'est le ministère de l'Esprit de Dieu. On chante le témoignage de Jésus. C'est pas que tu vas prendre un truc de, je ne sais pas, de Bilabel ou bien de Manu Dibango et puis on change les mots, mais dedans, tu commences à dire que tu chantes et les musiciens là sont populaires. C'était une servante de Dieu. Quelle servante de Dieu? Quelle musicienne de Dieu? Avec les maquillages, les pantalons, la mondanité dans toutes les formes, ce n'est pas la louange de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'église de Dieu. Si tu es dans le genre de choses là, il faut enlever. Tu connais les vraies louanges, tu connais la vraie adoration, tu connais comment chanter Dieu du fond de ton cœur, tu connais le Saint-Esprit t'a aidé. Tu dois faire un choix. Tu n'es plus dans le sang du monde, tu es dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Là, Dieu, c'est pas les trucs que les gens partent faire là-bas. On dit qu'on chante la louange. Non, non, non. La vraie louange, c'est dans l'Esprit de Dieu. Voilà, tout est fait par l'Esprit de Dieu et de sainteté, de crainte. La Bible dit que Jésus leur répondit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprenez-vous les autres? Amen. Jésus va leur dire: amen, gloire à Dieu. Donc, on va. Excusez-moi, on va aller. La Bible dit que voilà, le Seigneur va leur parler. Il va bien leur expliquer la parabole. Il va dire, écoutons bien ce que le Seigneur va leur dire. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. J'ai des problèmes de vue aujourd'hui là. Amen. Amen. Certains hommes. Je suis en train de voir très mal. C'est pas pourquoi. Où la parole a été semée. Ok. Écoutons, je vais aller au 14. Le semeur sème la parole. Amen. Le semeur, c'est le vigneron. Amen. Le Seigneur dit qu'il va creuser. Voilà, ici, vraiment, donnez-moi une seconde. Je dis, je vous dis, je suis un peu combattu ici avec ma vie là. Amen.
Dans Marc 4, la Bible dit que le semeur sème la parole. Donc, quand le Seigneur dit qu'il va creuser autour du figuier, voilà la parole qu'il est en train de s'aimer dans le figuier. Amen. Il va creuser, et il dit que le semeur sème la parole. Et quand il dit qu'il va creuser, c'est la parole que tu es en train d'attendre. Tu ne veux pas. Avant, moi, je croyais que Jésus devait venir me voir spécialement. Amen. Il y a des personnes qui attendent Jésus spécialement dans le rêve. Ma soeur, mon frère, enlève l'idée, la pensée là. Qui es-tu pour que Jésus vienne te voir? Jusqu'à ce qu'il va se dépasser du ciel. Tu dois être, quand tu étais repenti, est-ce qu'il faut que, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te voir? C'est la parole qui a été prêchée. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui attendent un Jésus physique et c'est comme ça qu'ils arrêtent, ils attrapent les mauvais rêves. Amen. Les esprits d'erreur là-bas, dehors et tout, ils attendent qu'ils ont, il y a des gens qui attendent qu'on vienne prophétiser la prospérité sur eux. Amen. Ça aussi, c'est l'erreur. Vous voyez, quand tu n'as pas soif de la parole pour être sanctifié, tu vas aller consulter Baal-Zabul. Amen. Pour qu'il te donne le pain de ce monde. Quand tu attends la prophétie qui va te donner la vie dans le monde, c'est quoi ça? Amen. Ce n'est pas le pain de Jésus. Amen. Le pain de Jésus donne la vie éternelle. Tu dois avoir soif du pain qui vient du ciel. Tu ne dois pas avoir pain soif du pain de la terre. Amen. Et que Jésus nous fasse grâce. Tout ça, c'est parce que tu es dans le mauvais sang. Le sang qui cherche à gagner ta vie sur la terre. Amen. J'ai déjà expliqué que le mauvais sang est attaché à la famille de la terre ici. Amen. Donc, le sang du ciel est différent. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit que les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent aussitôt, Satan vient et enlève la parole dans leur cœur. Amen. La parole qui a été semée en eux. Donc, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de figuiers comme ça dans la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand ils écoutent la parole de Dieu, et puis le diable vient et enlève dans leur cœur. Comment il enlève? J'ai déjà expliqué. Tu vas aller écouter la musique du monde. Tu vas appeler les amis du monde. Tu vas passer tout ton temps avec les choses du monde, la parole sort de ton cœur. Amen. Ça ne doit pas porter des fruits. Ah voilà, et le Seigneur, tu ne peux pas être, tu vas être coupé. En fin de compte, le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de te couper. Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi et le sang de Jésus n'est pas en toi. La Bible dit ceci, les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Amen. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Il y a des personnes comme ça qui disent toujours Amen et tout, mais comme il n'y a pas de racines en eux-mêmes. Amen. Il n'y a pas de racines. La Bible dit que, regarde, voilà, mais ils n'ont pas de racines en eux. Vous voyez comment Jésus a enseigné? Amen. Jésus dit que le figuier, s'il ne porte pas de fruits, il est sec parce qu'il n'a pas de racines. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas entré dans la consécration. Il n'est pas entré dans la mort de Jésus. Amen. Pour que Dieu enlève tout ce qui n'est pas empêché, que la racine entre dans la terre et qu'il soit implanté en Christ et solide. Amen. Qu'il devienne un pilier de la maison de Dieu. Il n'a pas accepté. Vous voyez, il est parti. Il écoute la parole. Oui, c'était bon. Hein? La conférence l'a été bien. Hein? Oh, après, immédiatement, quand il sort, c'est terminé. Il n'a pas fait les mêmes choses qu'il faisait avant. La parole n'est pas entrée dans son cœur. Amen. La parole n'est pas entrée dans le tréfonds. Tu as écouté le message, mais tu n'as pas pris une décision d'avancer, de mettre la parole en pratique. Amen. Voilà, donc tu as reçu la parole dans un endroit plus heureux. Je suis en train de parler des astuces du diable qui combat la parole de Dieu. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être fructif. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas porter des fruits. Amen. Donc la Bible dit ceci là. Et les fruits là, c'est aussi la sainteté. Amen. Tu ne peux pas être saint si tu n'as pas la vie de Jésus qui est la parole de Dieu en toi. La seule vie qui est sainte, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Qui est sainte. Amen. Il n'y a pas une autre vie qui est sainte. Si tu ne veux pas que Jésus tue la première vie de maman en tuant les désirs que tu as dans ta chair et dans le sang là, et en tuant les passions et les aspirations et les ambitions que tu as dans le sang là, tu vas mourir et tu vas te couper comme le figuier. Jésus ne compromettra jamais le sang de la sainteté mélangé avec le sang du péché. Jamais. Amen. Amen. Jamais. Tu dois mourir. Amen. Tu ne peux pas. Jésus ne marche pas avec Satan. Ils sont ennemis pour l'éternité. Amen. Ne faisons pas de Jésus un faux Jésus. Amen. Dans les péchés que l'Église commet, ils veulent faire de Jésus. C'est-à-dire comme les enfants d'Israël ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Amen. C'est comme ça que l'Église veut aujourd'hui que les pasteurs fassent un Dieu, un Jésus. Amen. Qui va les plaire. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer un faux Jésus. Il faut prêcher. C'est-à-dire qu'ils auront la démangeaison d'entendre les paroles sucrées.
Amen. Les paroles de la prospérité, de la chair, du sang que Jésus a crucifié. Ils veulent les paroles qui vont donner la vie au sang là. Vous voyez? Donc, que Jésus nous pardonne. Ça veut dire que ils veulent que le veau d'or qui dit que Jésus n'a pas crucifié la chair vienne s'asseoir dans le trône de Christ à l'église. Voilà le Jésus qu'ils attendent. C'est à ce moment-là que tu vas les voir contents. Le Seigneur nous garde de ça. Le Seigneur dit que nous, on n'est pas de ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Amen. La Bible dit qu'il manque de persistance et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Amen. Quand tu es là comme ça, le Seigneur t'appelle à te consacrer. Quand quelqu'un va venir, il dit que non, alors à tel endroit, tu quittes pas, tu n'écoutes plus la parole. Tu as dit que tu vas jeûner. Quelqu'un vient et te prépare la nourriture, tu ne jeûnes plus parce qu'il t'a donné la nourriture. Amen. Maintenant, tu vas manger. Oui, il t'a invité. Tu te dis que si je ne mange pas maintenant, comment je vais encore manger? Tu ne jeûnes plus. Tu as perdu ta consécration. Quand la persécution vient, tu ne peux plus. La sainteté, quand on dit de pardonner, tu ne peux pas pardonner. Quand on dit de donner, peut-être telle chose à Dieu, tu ne peux pas donner. Tu vois, tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas en pratique. Amen. Tu vois, donc tu n'as pas, tu trouves une occasion de suite. La Bible dit maintenant, écoutez, ceux qui reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Vous voyez comment le diable combat la parole? Vous voyez? Ouais, de toutes les personnes qu'on est en train de mentionner là, aucun d'entre eux n'a d'abord reçu la parole. Amen. Aucun d'eux n'a porté des fruits. Il faut qu'on comprenne. Amen. C'est ça, et ça c'est la caractéristique. Et on ne parle pas ici des mondains. On parle des gens qui ont accès, qui sont exposés au ministère de Jésus. Amen. Qui viennent à l'église, qui écoutent la parole. Mais aucun d'eux ne porte des fruits. Vous voyez pourquoi ils ne portent pas des fruits? Vous voyez pourquoi ils ne portent pas des fruits? Regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu portes des fruits? Quel est ton amour pour Jésus? Il y a un frère que Jésus a amené au ciel une fois. Il s'est mis à genoux, il a pleuré. Une larme est sortie de ses yeux. Jésus lui a dit que voici la seule larme que tu as versée. Ça veut dire que voilà combien tu m'aimes. Amen. Donc voilà combien tu m'aimes. Une seule larme. Voilà. Jésus lui a dit que tu dois beaucoup apprendre de l'amour. Amen. Voilà Dieu. Amen. La parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu n'est pas dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Quand tu as l'amour de la parole de Dieu, tu vas comprendre les souffrances de Christ. Amen. Les chrétiens qui grandissent dans la foi, ce sont les chrétiens qui mettent les choses du monde à part et puis qui entrent dans le jeûne pour que la parole de Dieu entre en eux. Vous voyez, la première place où le Saint-Esprit conduit un nouveau converti, c'est au désert, dans le jeûne. Amen. La première chose, quand Jésus a commencé son ministère, il est entré dans le jeûne. Amen. 40 jours, quand tu es sauvé, la première chose pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur, le Saint-Esprit va toujours t'amener pour que tu jeûnes. Amen. Il va te mettre à l'écart des mauvais amis. Il va te mettre à l'écart des mauvais conseils, des passions de la chair. Il va t'aider. Il va t'enlever de la maison là où on ne craint pas Dieu. Oui. Il va t'enlever de la maison là. Il va t'amener dans une maison où on va craindre Dieu, où tu seras bien, où tu vas être encadré avec les frères, avec les sœurs qui aiment la parole de Dieu. C'est à toi d'aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas fuir les frères là. Tu vas fuir les sœurs là. Amen. Tu vas les fuir. La Bible dit ici là, regardez. Que dans le verset 18, d'autres qui reçoivent la sémence parmi les épines sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, vous voyez, les soucis du siècle. Amen. Amen. Ça là, c'est ce qui tue, c'est ce qui tue le figuier. Amen. Le figuier qui ne porte pas de fruits, dont le docteur Jésus-Christ est en train d'examiner maintenant l'attitude, la vie des figuiers, la maladie du figuier. Amen. Pourquoi est-ce que le figuier ne porte pas de fruits? Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Dans le royaume de Dieu, on tombe malade. Quand je dis malade, pas quand tu es en crise, mais je veux dire que c'est le même truc, phénomène de la mort physique qu'on rencontre dans la mort spirituelle. Amen. Donc tu tombes d'abord malade, tu commences avec les petits péchés. Après ça, le diable te tue en commettant le péché contre l'esprit. Amen. Il te tue. Donc voici un figuier qui est malade. Le Seigneur dit que voilà, ce qui le dérange, ce sont les soucis du siècle. Amen. Amen. Et, il est malade, pourquoi? Parce qu'il ne porte pas les fruits, pourquoi? Avant que je lui donne encore plus de temps, il faut que je la franchisse de son inquiétude, des soucis du siècle. Amen. Il y a des gens qui ont trop de soucis. Amen. Trop de soucis. Tu te soucies pourquoi? Tu te soucies pourquoi, mes enfants? Mon truc. Arrêtons une minute. Pourquoi tu te soucies? Tu te soucies pourquoi?
Tu veux garder ta vie, les soucis. Il va dire quelque chose, il dit les soucis de quoi? Du siècle, vous voyez? Donc les soucis là, les choses de la terre. Mais là, il dit que quelque chose d'autre qui dérange le figuier, c'est quoi? C'est que le figuier là a la séduction des richesses. Amen. Yes. Vous voyez? Amen. La séduction. Il veut être riche. Amen. Il convoite. Vous voyez, les démons de richesse et de convoitise sont en lui. Le mauvais sang, amen, est en lui. C'est pour ça que tu peux prêcher du matin jusqu'au soir. Tu perds ton temps. Ils ne vont pas se repentir. Il faut que c'est le pasteur qui va venir prêcher l'accomplissement de la richesse là. Amen. Qui sera amen. Son pasteur. Et c'est là où tu vas voir les voix vont sortir pour dire amen, gloire à Dieu. Mais quand on prêche sur la mort de la séduction des richesses, ça ne peut pas entrer. Hein? Tu vois, le Seigneur dit que ce qui combat la parole, c'est la séduction des richesses. Et maintenant, il va dire, et l'invasion des autres convoitises. Vous voyez comment Jésus a tout dit? Voilà amen. Ce que tu dois faire si tu vas avoir la vie éternelle. Si tu veux que Jésus-Christ augmente ton temps, amen, pour que maintenant il te rachète et que tu sois un figuier florissant dans la maison de ton Dieu, la Bible t'appelle olivier florissant, cèdre verdoyant dans la maison de Dieu, amen. Donc tu as été amen. Fait pour porter des fruits, amen, beaucoup de fruits. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Ton problème, c'est que tu es malade, tu as beaucoup de soucis dans le siècle présent, tu as beaucoup d'inquiétudes, tu as la séduction des richesses et il dit que tu as d'autres convoitises. Amen. Parce que tu vois les autres, tu convoites. La Bible dit que ces choses-là étouffent la parole. Amen. Tu vois, amen. Ça étouffe la parole et ça fait en sorte que la parole-là ne porte pas de fruits. Ça, il dit cela que et la rende infructueuse. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, le figuier là ne peut pas porter des fruits. Le figuier est infructueux. Amen. Il ne peut pas produire des fruits parce qu'il a les choses-là en lui. Amen. Est-ce que tu es prêt à te repentir pour enlever ça? Hein? La convoitise. Et maintenant, le Seigneur te donne les yeux pour que tu vois ton ennemi quand il vient t'attaquer. Maintenant, les yeux, là, c'est quoi? C'est la parole, si. Amen. Quand la convoitise veut venir dans ton cœur, ou bien la convoitise veut jaillir dans ton cœur, tu commences à jeûner pour que la convoitise, là, parte. Parce que c'est le diable qui te combat déjà. Amen. Quand les soucis veulent déjà venir, tu vois. Parce que tu as la parole. La parole est une lampe à tes pieds. Tu ne peux pas combattre un ennemi quand tu ne vois pas. Donc, la parole devient tes yeux. Amen. Maintenant, tu vois que voilà le diable qui m'attaque, le voilà qui arrive avec les soucis du monde. Amen. Et voilà avec les inquiétudes du monde, avec la convoitise des richesses et la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est que quelqu'un achète une voiture, tu convoites toi si tu veux. Amen. Tu vois, tu es séduit. Tu trouves, tu commences maintenant à vouloir compromettre parce que tu as vu ça à quelqu'un d'autre. Amen. Je vous ai dit que la plupart des désirs qui agitent les chrétiens, ça vient parce qu'ils ont vu ça dehors. Amen. Amen. Il a le diplôme, tu vois aussi. Il a le mariage. Tu bosses, il y a l'enfant, tu bosses, il y a l'église, tu bosses, il y a les dons, tu bosses. Ça, c'est les convoitises charnelles qui ne viennent pas de Dieu. Et ça va te tuer, ça va t'amener loin. La Bible dit maintenant le verset 20, ceux qui ont porté des fruits, le vrai figuier qui ne devait pas être coupé, ce sont ceux qui reçoivent la semence dans une bonne terre. Amen. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et la portent et portent du fruit. Donc les figuiers qui portent des fruits, ce sont ceux-là qui ont reçu la vie de la parole, le sang de la parole. Et qui ont annulé, qui se sont mis d'accord avec Jésus à sa mort à la croix. Ils ont dit que on tue, amen, par le jeûne, par la prière, on va demander à Jésus de tuer le sang de la séduction des richesses. Amen. On va demander à Jésus de tuer le sang de la séduction des convoitises. On va demander à Jésus de tuer le sang des soucis du siècle présent. Amen. On va jeûner, on ne veut rien d'autre que la mort de cette mauvaise vie. Amen. C'est ceux-là qui vont maintenant être ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Quand le figuier que Jésus-Christ va, dont le Seigneur va accuser tout autour et puis vont ressusciter avec la vie de la parole et ils vont maintenant commencer à porter des fruits. Amen. Pour la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas porter les fruits tant que tu as encore les tensions en toi. Amen. La sanctification pour participer à la nature du vigneron. La nature du vigneron, c'est qu'il porte des fruits toujours jusqu'à la mort, jusqu'à l'éternité. C'est l'heure de prière, ma soeur. C'est l'heure de prière pour porter des fruits qui vont perdre. Les fruits, ce n'est pas les choses de la terre, c'est les choses du ciel qui vont demeurer éternellement, la sainteté dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, et puis les âmes, amen, que tu vas porter. Voilà, que le Seigneur va t'utiliser pour sauver. Ma soeur, prie, mon frère, tu as écouté l'esprit qui fait la guerre à la parole de Dieu dans la vie du fils.
figuier qui est sur le point d'être coupé. Le vigneron te dit qu'il est prêt maintenant à creuser autour de toi et d'enterrer le sang de la rébellion qui fait guerre à la parole de Dieu. C'est là de prier pour que toute ta force en toi qui a soif de la télé, qui a soif de richesse, qui a soif des soucis, qui a soif des choses de ce monde, soit coupée, soit enterrée, soit détruite. C'est là de prier. Père tout puissant, le mystère de Dieu, nous te rendons gloire. Seigneur, tu nous as parlé, tu es sur le point maintenant de semer la parole. Mon Père éternel qui porte les fruits, car la seule personne qui porte les fruits, c'est toi. Tu es sur le point de donner ta vie. Oh figuier, Père éternel qui était sur le point d'être coupé. Seigneur, nous prions que ta parole entre dans nos cœurs. Je suis pour que nous portions les fruits, que d'autres choses qui combattent la parole, les soucis, les inquiétudes, les distractions soient crucifiées, soient enlevées. Mon Père tout puissant, pour que nous participions au Père de la famille de Dieu, le Père qui donne la vie éternelle. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nous, roi de gloire, mystère de Dieu. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, mystère de Dieu, notre Père, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la gloire, que l'autorité ne revienne qu'à toi seul. Maintenant, et pour les siècles et des siècles, au nom tout-puissant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une guerre pour écouter la parole de Dieu. Il y a une guerre. Hein? Et la guerre, là, j'ai expliqué qu'il faut jeûner. Amen. Il faut jeûner pour manger la parole de Dieu. Vous voyez, la